Salut les amis, content de vous retrouver au bord de l'eau. Ça faisait longtemps là, ça va faire pratiquement 7 semaines. Ouais, ça doit faire ça, 6 ou 7 semaines que j'avais pas pêché. Bon, j'ai fait autre chose, hein. J'ai eu d'autres activités. Si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez dû être au courant. Je suis super content, j'aurais jamais dû penser dire ça devant la caméra, mais avoir du mucus sur les mains, ça fait plaisir. Ouais, j'ai enfin fait mon poisson au mois de mars, parce que bon, j'ai pas du tout pêché en février, comme j'étais en train d'expliquer. Et là, je fais une pêche rapide cet après-midi dans le laboratoire de l'association. Tranquillou, moi bon, j'ai mon pote Olivier qui est un peu plus loin en train de pêcher aussi au feeder, mais voilà, on est calme, on profite d'une après-midi ensoleillée entre deux averses. On va dire qu'on a les giboulées de mars en ce moment. Voilà, on a eu quand même de l'eau un peu partout quoi, de toute façon ça fait du bien pour la nature. Voilà, donc aujourd'hui une pêche feeder pour commencer. Je teste toujours mes produits que j'avais présentés en début d'année à base de pain. Donc là vous avez avec les pelets fish and feed. Donc si vous suivez un peu, vous voyez un peu, de toute façon la recette sera bientôt disponible. Donc là je suis assez content de moi, parce que ça y est, j'ai quand même arrivé à trouver le bon mouillage, le bon dosage. Bon, pour l'instant je le teste maintenant, je le teste vraiment sur le terrain, donc il faut quand même faire quelques pêches pour voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas de raison, il y a de bons produits, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est un produit en plus qui travaille super bien. Je tenais à profiter aussi de cette vidéo pour vous remercier de votre passage, pour ceux qui ont pu participer et qui sont venus au salon de Montluçon. Je voulais vous remercier, je vais parler au nom de la société Fish and Feed, hein. Et puis en mon nom aussi pour ma chaîne YouTube. C'était super enrichissant, de belles rencontres. Bon, il y a quand même beaucoup de trucs, c'est pour la batterie, mais on était là, il y avait aussi Milo qui était là avec du matériel, comme tous les deux ans, c'est les seuls qui viennent toujours à présenter du matériel aussi au coup, au feeder. C'est dommage que d'autres exposants ne participent pas. C'est comme nous sommes tous des passionnés à la base du poisson. Donc il y a des super échanges et tout, c'était hyper intéressant. Et puis on a pu profiter aussi de ces deux jours pour vous présenter les nouveautés Fish and Feed. Donc j'aurai l'occasion au travers de différentes vidéos de vous présenter les produits, surtout pour le coup, pour ce qui me concerne. Parce que bon, la bouillette, c'est pas trop mon trip. Encore qu'on a des bouillettes pour pêcher au feeder et au coup aussi. Mais bon, c'est beaucoup de bouillettes pour les carpistes à la batterie. Ah, j'ai une tape là, donc on voit bien que mon appât est très attractif parce que j'ai vraiment des tapes, donc je pense que c'est des tapes de blanc quand même qui viennent taper dans le méthode. Mais voilà, donc je voulais me remercier parce que ça a été super enrichissant, super intéressant. C'est une expérience d'être l'autre côté. J'ai connu le pêcheur qui allait voir l'exposant, se retrouver en tant qu'exposant, c'est une autre expérience. Et je remercie la société Fish and Feed parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai pu faire cette expérience. C'était super intéressant, par contre très très fatigant, parce que ça vous en doutez aussi, mais deux jours de salon, mais quatre jours intenses. Il faut préparer les dernières commandes, préparer les derniers repas, toute l'équipe s'organiser, aller sur place, installer le stand. Un peu de pression quand même, parce que bon, y a quand même beaucoup d'investissements en jeu, hein. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Et le moment le plus intense, c'est quand même le moment de partage, où il y a du monde qui est autour du stand et qu'on discute. Des fois même un peu frustrant de ne pas pouvoir passer un peu plus de temps avec les clients pour discuter, parce que y a d'autres personnes qui attendent, donc faut pouvoir partager dans ces moments-là. En tout cas, merci beaucoup de votre patience et de votre gentillesse. On a vu quand même pas mal de messages, ça c'est cool. Voilà, donc je voulais profiter de ça. Et puis ce que je voulais finir par dire, c'est qu'une fois que le salon est terminé, il faut tout ranger, il faut tout remettre dans les cartons. Bon. Et puis le lendemain, il faut nettoyer, donc vider le camion et tout. Donc ça, tout ça, vous le savez pas, mais je ne l'ai pas montré en vidéo, mais c'est des choses que ce serait intéressant de montrer aussi. Donc pêche au feeder aujourd'hui, mon méthode feeder pour l'instant. Et comme, je sais pas si vous découvrez le poste, normalement si vous me suivez, vous devez connaître le poste. Pêche de bordure ici, où j'ai fait un carton en pêchant à 30-40 cm. Donc les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous laisse le petit lien qui apparaîtra au-dessus. Comme ça vous pourrez regarder la vidéo, et c'était intense. Donc du coup ce que je fais, c'est que je lance 2-3 pelés. Je vais vous montrer. J'en mets pas trop, le but c'est pas de nourrir le poisson, mais c'est de le faire venir. Voilà. Et le but étant, en fin d'après-midi, de sortir la canne de bordure, essayer à la patte de faire 2-3 poissons au bord là. Ding. Ça serait cool. Voilà. En tout cas, je suis content, il y a du soleil, ça fait du bien, il y en avait besoin. Les lunettes sont ressorties. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis on verra bien, peut-être avec un poisson ou en action de combat. Voilà. À tout à l'heure les amis. Hop. Un petit peu de pelé.
et on va croiser les doigts pour que les deux cannes partent pas en même temps. Sinon, je vais avoir des problèmes. Eh ben écoute, je me plains pas. Alors ? Bah je fais deux poissons là, j'en perds trois. Je glandouille à la vidéo là. Je fais trois fois les présentations, j'oublie d'allumer le micro ou j'allume pas la caméra. Enfin, je vais faire ça. Là c'est pour les canards. Tu pêches le canard. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, si tu veux, j'attends que l'eau monte. Bon Thierry, ouais. Tu revois là au bord de l'eau, ça va ? Ah oui, me revoilà au bord de l'eau. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Un petit moment, ouais, ça va être presque ce que je disais tout à l'heure dans l'intro, ça va faire 6 ou 7 semaines que j'avais pas mouillé le matériel. Ça commence à rouiller. Donc ouais, c'était cool. Et du coup là je suis content parce que du coup pour l'instant mes produits là, que je teste à la base de pain de mie. J'ai fait surtout chez moi, comme au mois de février avec le temps pourri qu'il a fait, on n'a pas pu trop pêcher. Bah moi j'ai pas trop pêché en fait, toi t'as pas arrêté, mais moi je me suis arrêté. Et du coup j'ai fait surtout des essais à la maison dans un aquarium. Et là je suis content parce que j'ai quand même plus ou moins trouvé la texture pour le. Ouais, tu vois, ça qui est intéressant. Donc ça, cette texture là, donc c'est du pelé broyé. Ouais. Fish and feed. Tout à fait. Alors là, c'est du pelé perroquet. Il y a, donc c'est intéressant. C'est à base, donc là, je m'en sers vraiment. Je pense en début de saison, ça peut être intéressant pour l'amour blanc. Et puis même la carpe. Hein, là, de toute façon, j'ai touché mes deux poissons avec ça aujourd'hui. Et je rajoute de la noix de coco dedans. Et en fait, c'est là où c'est sur la noix de coco, il faut trouver le bon dosage. Bon alors, Thierry, tout à l'heure, tu expliquais. En fait, ton mélange, ouais. Donc était à base de pelé fish and feed, le modèle c'est le perroquet. Voilà, c'est ça. Voilà, et comme quoi tu avais mis de la noix de coco, il faudra que tu expliques un petit peu la texture, comment tu atteins la bonne texture et les proportions que tu peux mettre entre la noix de coco et les pelés. Alors en fait, en termes de texture, c'est la mie de pain et l'agglomère de pelé qui va te faire la texture. Et la noix de coco, en fait, elle va être plus là pour travailler dans la couche d'eau. Parce que la noix de coco est plus léger que l'eau, donc elle va avoir tendance à monter. Donc la difficulté de tout ça maintenant, c'est que si on met trois noix de coco, on va avoir un appât qui vraiment travaille beaucoup. Ça va être intéressant, mais on va avoir trop de particules dans la colonne d'eau, et ça risque de poser problème au niveau de la pêche. Pas au début, mais après, le poisson ne va pas forcément aller sur le coup où il y a l'appât. Où on a notre appât, mais plus va se balader dans la couche d'eau, quoi. Donc il faut trouver le bon dosage. Donc là, je pense que je l'ai trouvé, en tout cas les essais que j'ai fait chez moi à la maison, et là je viens de tester aujourd'hui, donc là je les ai fait au perroquet, je fais deux carpes, donc ça a l'air de fonctionner. Pour un début de saison, c'est pas mal quand même. Les deux carpes que tu les fais avec quelle technique ? Alors, aux méthodes, alors, j'utilise les hameçons Preston pré-montés, hein. Je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Avec au bout de l'hameçon une petite pièce métallique tressée qui permet justement de rentrer la bite tranquillement dedans. Voilà, ça fait une présentation nickel, bien dégager l'hameçon, donc ça c'est intéressant. Les poissons arrivent au bord, ça y est, ça fouille, ça commence à fouiller dans les pelés que j'ai lancés tout à l'heure.
Du coup, je vais vous montrer en attendant les touches, le mouillage, la préparation de mon méthode. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc là, je suis sur donc le pellet fish and feed, du pain, noix de coco. Bon, les touches restent, faut attendre les touches, hein, c'est pas ce qui est un peu normal, on est encore en début de saison. Ce qui est logique, on est encore en début de saison, donc faut attendre un peu les touches. Mais les poissons s'alimentent, hein. Ils sont gros, c'est incroyable. Bah tant mieux. Ouais, je crois que là, je crois que je vais pouvoir m'amuser au bord là, si ça confirme. Hop. Bon les amis, c'est un petit peu dur là, la soirée arrive, je pensais pouvoir faire un coup du bord, j'ai insisté un petit peu, mais le poisson n'est pas très très mordeur. Bon après on est encore au mois de mars, il ne faut pas non plus toucher le bouchon. Hein. La saison va commencer à arriver tout doucement, les journées vont rallonger, on va pouvoir profiter des coups du soir. C'est le principal, l'objectif aujourd'hui c'était de prendre l'air, de sortir, pêcher, c'est fait. Faire du poisson c'était une option. C'est fait aussi, donc je suis super content. J'ai passé un agréable moment entre deux averses, un petit peu de soleil, là la fraîche, le froid commence à arriver, mais bon, c'est pas trop grave. Donc si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de recevoir les notifications. Et pour les autres, je vous invite à liker, à mettre un petit pouce j'aime, ça permettra à augmenter l'audience de la chaîne qui grandit tout doucement, ça je vous remercie, et puis à permettre à YouTube de référencer et que d'autres personnes puissent la découvrir cette chaîne et ses vidéos. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, en tout cas moi j'ai pris mon pied. Voilà, il faut pas grand chose dans la vie pour être content et heureux. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao les amis, bye. Amis, j'ai arrangé tout le matériel vidéo. Du coup, là, c'est mon téléphone. J'allais ranger et puis je commence à avoir de l'activité au bord. J'ai amorcé pendant cet après-midi au bord et là, au fin, voilà, joli petit tonnerre. Sympa, toute la couleur encore. Voilà, c'est cool. On va essayer d'en faire une autre au pain. On va bien voir ce que ça donne. En tout cas, c'est génial. Voilà, c'est cool. Bon bah les amis, ça continue. En bordure, au pain. Ouais. Petit poisson, il est un peu plus petit, mais bon. Il fait des bons combats, ça s'éclate bien. En plus, elle est un peu tarte aux pommes. Voilà. Allez, doux. Super. J'aimerais bien un petit bout de tartelette. Ok, bah écoute. Mais j'ai pas de couteau. Ça arrive. Je pense que je vais craquer.